Ça y est, Pierre. Cœur battant. Je suis sûre qu'elle va t'aimer. Moi aussi. Donc, on va voir dans quelques secondes le cortège de notre mariée arriver. Juste curiosité, pendant qu'elle se prépare à descendre, je pense qu'ils arrivent, qui parmi vous est déjà marié? C'est vrai? Hey, c'est bien. Vous avez une bonne moyenne au bâton, comme on dit. Tout le monde est heureux. Y en a-tu qui songent à se marier bientôt? Ah, ben, bon, on va te donner des cartes tantôt. C'est parfait. Alors, on me fait signe que la mariée a le cœur battant et elle est prête à s'en venir. Est-ce que je vais vous inviter à rester assis? Et puis, on va accueillir notre mariée maintenant. Belle Marie, belle Marie, avec ses deux fils. Moi, je pense qu'on peut applaudir la beauté de tout ce cortège. Côté, puis on va demander à Joanne de prendre une super photo de famille. Moi, je trouve ça important, les photos. Merci, Trio. On peut les applaudir aussi. Hein? Ils sont très, très bons. Alors là, c'est le temps de sortir vos codecs. Ça va, Joanne? Merci beaucoup. Je vais garder juste mes deux mariés maintenant. Vous pouvez aller vous asseoir avec vos conjoints et conjointes. Bonjour, ma belle Marie. Tu permets que je te fasse la bise à toi aussi? Alors, nous allons débuter d'abord et avant tout par un rituel qui s'intitule la chandelle d'unité. Vous savez que Marie et Pierre, en se mariant aujourd'hui, quelque part, ils vous marient tous ensemble aussi. Vous devenez quelque part liés officiellement par le mariage de ces deux tourtereaux. Alors, juste derrière toi, oh, je pense que ma petite chandelle est restée. Je soupçonne la chose. C'est pour ça. On va faire ça. Je ne sais pas pourquoi le vent s'est levé parce que tout à l'heure, il n'était pas là. C'est bon? Alors, vos deux chandelles ici symbolisent chacune de vos vies, vos couleurs particulières. Je vais vous demander maintenant d'allumer ensemble la chandelle d'unité. Okay. Tu peux approcher Joanne, j'aime toi pas. Okay. On va juste faire semblant encore une fois d'allumer la chandelle pour la maman, pour la photo. Enlève ta main. Super. Super, elle est allumée maintenant. Je vais vous demander maintenant d'éteindre chacun votre bougie individuelle. Et en éteignant cette bougie individuelle, vous ne reniez pas votre couleur ni votre passé, mais vous symbolisez le début de votre nouvelle vie à deux en tant qu'époux. Alors, je vais vous demander de mettre les chandelles sur le papier ciré. Voilà. Cette chandelle d'unité va vous rappeler... Cette chandelle d'unité va vous rappeler cette merveilleuse journée et je vous invite à l'allumer à chacun de vos anniversaires de mariage. D'accord?
puis vous avez le droit de prendre un bon vin avec ça. C'est pas ça qui manque ici. Alors, bonjour à tous. Mon nom est France Frenette et je suis ministre du culte pour le ministère à bras ouverts. Vous savez, chaque fois que deux personnes s'unissent au nom de l'amour, il y a comme une magie qui s'installe et c'est ce qu'on ressent en ce moment. Je sais pas si vous le ressentez, mais moi, oui. Alors, vous avez été conviés par Marie Baribeau et Pierre Roy afin de partager ce grand moment de leur vie. Et il s'agit d'un jour vraiment très spécial pour eux, bien sûr, mais d'autant plus important parce que vous, vous êtes là pour partager leur bonheur. Tous ceux qu'ils aiment. Chacun de vous a touché leur vie de manière significative. Certains d'entre vous sont peut-être là depuis le tout début de leur histoire et peut-être d'autres se sont joints à eux dernièrement. Mais peu importe la situation, quel que soit le cas, votre présence est leur plus beau cadeau. N'est-ce pas? De même que leur union devant vous est leur présent pour vous. Vous savez que vous avez un rôle à jouer ici, hein? Vous n'êtes pas ici seulement pour la réception de ce soir. Alors, voici tout au long du mariage, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est votre rôle. Si l'arbre n'avait qu'une seule racine, il se ferait emporter par le vent. De même, pour rester fort, l'amour d'un couple doit être soutenu par de nombreuses racines. La famille, les amis, les idéaux, la pratique spirituelle et l'attention. Aujourd'hui, alors que vous les verrez s'engager l'un envers l'autre, je vous demande de vous joindre à moi en leur donnant tout votre amour, votre lumière, et ainsi renforcer encore un peu plus leur union. Maxime, est-ce que tu veux m'aider un petit peu? C'est toi la responsable des alliances, hein? Tu viens-tu avec maman? Viens, viens, on va faire un jeu ensemble. Alors, nous allons faire quelque chose de spécial. Ça marche pas. Tu n'aimes pas mon jeu? Viens avec mon groupe, ben oui. Viens, maman. Alors, on va prendre la belle boîte. Toi, tu as le droit de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Regarde. Oh! Beau, hein? Oui, tu peux prendre la boîte, mais pas les alliances. OK, maman, va voir. Parce que tu vas te marier un jour, mais pas tout de suite. OK. Alors, on va prendre la boîte avec les alliances et on va vous la faire passer dans les mains. Viens, viens. On va commencer par la demoiselle ici. Et on va la faire passer comme ça, de rangée en rangée. Je vais vous demander, quand vous allez avoir la boîte des alliances avec vous dans vos mains, de prendre le temps de faire un bon vœu, un souhait, beaucoup d'amour et de le passer au suivant. D'accord? Merci, Maxime. On va se voir tout à l'heure. OK? Alors, on continue, nous, pendant ce temps-là. Merci, Maxime. Alors, dans un mariage, il y a des choses obligatoires qui doivent être faites. Vous savez, comme dans un gala artistique, ce soir, il y a un gala, je pense, à la télé, il y a toujours le moment obligatoire où il faut présenter les comptables, les bons, etc. Alors aujourd'hui, dans un mariage, je me dois de vous lire ce texte de la loi qui est austère, qui est un peu plate, mais qui va finir par être intéressant, vous allez voir. Alors, avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire la lecture de certains textes de loi qui vous exposent les obligations civiles que vous allez contracter. Approchez-vous un peu ici. Ouais. Il s'agit des articles 392 à 396 qui s'énoncent comme suit, deux points. Article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Ça, c'est le fait. Check. 393. Chacun des époux conserve en mariage ses noms et prénoms. Il exerce ses droits civils sous ses noms et prénoms. Ce n'était pas le cas de nos arrière-grand-mères. Bon. 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille. Ils exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Bon, c'est fait, ça va. Ils sont grands, vos enfants. C'est fait. 395. Les époux choisissent de concert la résidence. Elle est très compliquée, celle-là, mais vous allez voir, je vais vous la simplifier. Les époux choisissent de concert la résidence familiale.
En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille exercent leurs principales activités. C'est le fun, hein? Mais tout ça, ça veut juste dire, regarde, votre maison, c'est chez vous. C'est juste ça que ça voulait dire. D'accord? Et la dernière, 396, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Ça veut dire, Pierre, les poubelles, c'est mercredi. C'est tout. Ah, c'est mardi chez moi, excusez-moi. Tu le sais. Maintenant, je vais vous dire... Ah oui, t'as déjà une liste? Une to-do list. Si vous voulez bien vous asseoir maintenant. Merci. Alors, on fait de la plaisanterie, tout ça, mais maintenant, je vais vous faire mon commentaire spirituel. Vous avez beaucoup d'expériences de vie amoureuse ensemble. Et puis, ce que je vais vous dire, vous le faites probablement déjà. Hein? Vous l'appliquez déjà. Mais des fois, c'est le fun de le réentendre. Et puis, peut-être que quelqu'un ici a besoin d'entendre une phrase, un mot. Alors, voici ce que j'ai écrit pour vous. La progression intérieure de l'amour entre deux êtres humains, c'est une des choses les plus extraordinaires. Ça ne peut pas se trouver simplement en la souhaitant ou la cherchant. Parce qu'il y a comme une destinée en elle. Et ça vous est arrivé. Quelle chance! Il faut en prendre donc bien soin de cette chance. Chérissez votre temps ensemble, car la vie est un cadeau. Et cette cérémonie de mariage ne marque ni le début, ni la fin de votre relation, mais une étape dans le processus continuel de changement de votre couple. Comme vous le savez, il y a occasionnellement des tensions, des conflits. Mais n'oubliez jamais qu'après la pire des tempêtes, le ciel redevient clair et c'est alors que les arcs-en-ciel apparaissent. Soyez lent à la colère et prompt à pardonner. Utilisez des paroles bienveillantes et douces. Que vos bras soient comme un havre de paix. Un refuge pour chacun d'entre vous lorsque vous revenez à la maison tous les jours. Priez beaucoup, mais ça vous le faites déjà. Appréciez le processus de la danse de la vie et chérissez votre temps ensemble. Ensemble, vous vous guérissez l'un l'autre, vous vous équilibrez, vous vous aidez mutuellement à grandir, vous comblez les lacunes l'un de l'autre. Alors rayonnez de cet amour infini l'un envers l'autre. Et que cet amour s'exprime par des paroles, par des actes, mais aussi par des silences. Qu'il y ait en vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant. Alors, soyez prêts à combler les besoins de votre partenaire. Parlez lorsque l'autre a besoin d'entendre. Écoutez lorsque l'autre veut parler. Touchez quand l'autre a besoin d'être touché. Étreignez-vous lorsque l'autre a besoin de contact. Laissez à l'autre de l'espace lorsqu'il a besoin d'être seul. Et comprenez que l'autre est humain, avec ses forces et ses faiblesses. Soyez tendre dans votre force et fort dans votre tendresse. Ne compromettez jamais votre pureté. Perfectionnez-la à l'intérieur comme à l'extérieur. Soyez aussi radieux que le soleil, que votre amour soit aussi frais que la lune, mais aussi clair qu'un cristal sans tache. Ouvrez-vous à l'amour universel qui a tissé votre union et honorez cet amour avec votre foi, votre espérance, en sachant que l'amour est vainqueur de tout. Cultivez un esprit d'humilité et de pardon. Cela fortifiera votre relation familiale jour après jour, et c'est pourquoi vous vous sentirez tellement heureux et en paix. Vous avez encore toute une vie à continuer de savourer, à jouer, à une vie à vivre et à explorer chacun de vos univers. Quel beau cadeau merveilleux vous a été donné. Continuez d'être heureux. Voilà. Maintenant, je vais inviter Nicolas à faire une lecture. Ah oui, on va jouer.
Vous savez, le mariage, c'est comme un voyage. On ne choisit pas toujours la route à suivre, ni les circonstances. Mais chacun a un choix de l'autre. Le mariage unit deux cœurs, il confond les espérances, il mélange les rêves. Il multiplie les joies, il divise les peines. Il exprime l'union et la confiance. En vous tendant la main, vous trouverez réconfort. En ouvrant les bras, vous trouverez tendresse et chaleur. En ouvrant votre cœur, vous trouverez l'amour et le bonheur. Que votre mariage atteigne ce but et plus encore. Je vous souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on va continuer avec quelque chose d'un peu spécial. Je pense être la seule célébrante chanteuse du Québec. Et puis, Marie et Pierre l'ont su. Ils m'ont demandé d'interpréter une chanson qui vous touche particulièrement et qui exprime très bien. C'est une très belle chanson de Christina Perry qui exprime ce sentiment quand on déballe l'allée pour aller se marier. Alors, je vous interprète immédiatement à l'aide de mon trio favori, Thousand Years. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all my doubt suddenly goes away somehow. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Thousand more. Thousand more. One step. Darling, don't be afraid.
love you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all alone I believed I would find you. Time has brought you home to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. T'aurais pas voulu chanter? Bon, alors, les beaux mariés, je vais vous demander de vous lever. Maintenant, de venir à l'avant ici, Marie va faire face à Pierre ici, devant, et avancez-vous un peu vers vos invités, parce qu'il faut que j'aille vers vous. Voilà. Alors, je vais vous demander de joindre les mains, donc Pierre met bien tes mains en dessous comme ça, voilà, que ce soit joli sur les photos. Je vais lire un texte qui a été approuvé par nos mariés. Vous savez que quand on marie une autre personne, on lui demande sa main. Alors, les mains, c'est un symbole très important dans une histoire de mariage. D'ailleurs, nos mariés joignent leurs mains, puis je vais vous inviter à vous aussi à prendre la main de votre amoureux, votre amoureuse. Et simplement, ceux qui n'en ont pas, ben, c'est peut-être le temps d'en attraper une. Voilà. Alors, regardez-vous dans les yeux, mes tourtereaux. On y va. Voici les mains de votre meilleure amie, remplies d'amour pour vous, qui tiennent les vôtres le jour de votre mariage, alors que vous vous promettez de vous aimer aujourd'hui, demain et toujours. Voici les mains qui continueront de travailler aux côtés des vôtres, alors que vous continuez de bâtir votre avenir ensemble. Voici les mains qui vous aimeront passionnément et vous chériront au cours des années, et qu'avec le moindre toucher, vous réconforteront comme nul autre. Voici les mains qui vous tiendront lorsque la peur ou la peine sera temporairement sur votre chemin. Voici les mains qui, sans compter, sécheront les larmes de vos yeux, les larmes de chagrin, mais aussi les larmes de joie. Voici les mains qui accueilleront et caresseront tendrement vos adorables enfants et petits-enfants. Voici les mains qui vous donneront le soutien et l'encouragement afin de poursuivre vos rêves. Voici les mains qui vous tiendront fermement lorsque vous traverserez des moments difficiles. Voici les mains qui vous donneront la force quand vous en aurez besoin. Voici les mains qui lèveront votre menton et caresseront votre joue en soulevant votre visage pour regarder dans des yeux submergés d'amour pour vous. Et enfin, voici les mains qui, même ridées et âgées, continueront de chercher les vôtres, vous donnant la même tendresse sous-entendue en un simple toucher. C'est beau, hein? Mais c'est sincère. Alors, on arrive ici, mes amis et mes beaux mariés, à la grande question dont la réponse devrait être « Oui, je le veux ». Regarde bien ta Marie. Nous sommes ici réunis afin de célébrer l'amour que Marie et Pierre éprouvent l'un pour l'autre et pour connaître leur décision d'unir leur vie. Dans cet état matrimonial, ces deux personnes seront unies. Alors, Pierre, je commence avec toi. Voulez-vous prendre Marie qui est ici présente pour votre légitime épouse et allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira? Vos espoirs, vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à partir de ce jour. Et tu réponds? Oui, je l'ai. Voilà. Il était sincère, hein? Marie, voulez-vous prendre Pierre qui est ici présent pour votre légitime époux? Et allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira? Vos espoirs, vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à partir de ce jour. Et tu réponds? Oui, je l'ai. Et ça, c'était ferme, clair, net et précis.
Hein? Bon, bougez pas, mes maris. Je vous ai dit tout à l'heure que vous n'étiez pas ici simplement pour le lunch de ce soir. Vous avez un rôle à jouer. Alors, je vais vous demander une question et vous allez tous répondre ensemble. Oui, nous le voulons. Si vous ne voulez pas, taisez-vous. Okay? Alors, voulez-vous, parents et amis présents, leur accorder votre bénédiction et leur promettre tout votre amour et votre soutien et vous répondez ensemble? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. C'est pas grave, on avait compris. Alors, est-ce que nos alliances sont rendues à l'avant? Oui! Bon, Maxime, est-ce qu'elle est partie, Maxime? Oh, elle est partie. Bon, ben, vous allez devenir Maxime. D'accord. Mais vous êtes sa sœur, Lucie, hein? Mais Lucie. Lucie, Lucie. Elle s'en vient, Maxime? Alors, pendant qu'elle s'en vient, je vais vous expliquer que la coutume d'échanger un anneau de mariage, c'est une des plus belles et anciennes traditions nuptiales. Ça remonte du temps de l'Égypte ancienne. C'est vieux, hein? Alors, à cette époque-là, ils ont découvert le symbole suivant, à savoir que dans le quatrième doigt de la main gauche, qui fait bien ça, mon Sim, t'es bonne. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, j'étais en train de vous expliquer que du temps de l'Égypte ancienne, on avait... J'ai peut-être demandé de bouger un petit peu parce que la caméra, ma chérie. Merci. Du temps de l'Égypte ancienne, on plaçait un anneau dans le quatrième doigt de la main gauche en croyant qu'il y avait une veine qui était reliée directement au cœur. Et c'est pour ça qu'on l'est dans la main gauche. Alors, le métal précieux qui la compose représente la sincérité de votre engagement. Il est résistant, endurant, ne ternit pas. Il reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. L'amour librement donné n'a ni commencement ni fin, ni l'amour librement donné n'a ni donneur et receveur séparés. Vous êtes tous les deux des donneurs et receveurs. Alors Pierre, nous allons commencer avec toi. Si tu veux bien prendre l'alliance de Marie. Oui, on va donner à Pierre. Hein? Oui, tu ne donnes pas la tienne. Ça. C'est bien. Tu es très, très bonne, Maxime. Je suis très fière de toi. Pierre, si tu veux bien passer l'alliance au doigt de Marie. Marie, juste une main. C'est bon. Alors, attends. Okay. Ah oui, avec... C'est bon. Il trichait, mais personne ne sait. Alors, voilà. Pierre, si tu veux bien passer l'alliance au doigt de Marie. Juste là, voilà. Et répétez après moi. OK? Regarde-moi pas. Moi, je suis déjà mariée. Oui. Marie, je veux vivre avec toi, tel que tu es. Je te choisis pour partager ma vie avec toi. Marie, je te donne cette alliance comme gage de mon amour. Avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur. De mon esprit, de mes mains. Pousse. C'est magnifique ta bague. Hein? Alors, Marie, si tu veux bien, passez l'alliance au doigt de Pierre et répétez après moi. Moi, je suis mariée, je te dis. OK. On veut que je te regarde pour comprendre. Pierre, je veux vivre avec toi tel que tu es. Je te choisis pour partager ma vie avec toi. Pierre, je te donne cette alliance comme gage de mon amour pour toi. Avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit et de mes mains. Joignez les mains, mes beaux amoureux. Maxime, tu vas tourner ton visage de l'autre côté pour qu'on t'applaudisse, parce que tu as fait ça très, très bien. Joignez les mains, mes beaux amoureux. Alors que
vous joignez les mains, soyez conscient que où vous soyez, l'amour universel vous soutient, vous enveloppe et vous protège. Considérant l'autorité qui m'a été conférée par la loi en tant que ministre du culte du ministère à bras ouverts, mais encore bien plus parce que je crois en vous deux. C'est pourquoi c'est avec un immense plaisir et une grande joie que je vous déclare, mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Alors, Joanne? Merci, Joanne. Je vous déclare mari et femme. Oui, oui, c'est des photos sonores, alors on fait besoin d'envisagement. Était-ce meilleur, celui-là? C'est bien? C'est très bien. Il est à 15, celui-là, hein? Oui, oui. Alors, bon, maintenant, on va faire quelque chose de spécial. Vous venez de sceller votre union par l'échange des alliances, mais vous avez choisi de faire un autre rituel, parce qu'aussi, quand Pierre et Marie se marient, c'est le cas de le dire, les deux familles deviennent vraiment unies. Alors, on va demander aux enfants, Nicolas, Olivier, Vanessa, Roxane et Janie, de venir nous joindre et nous allons faire le rituel du sable hawaïen. Alors, prenez-en l'avant. Est-ce que tout le monde connaît sa couleur? Approchez-vous. Approchez-vous, mes maris. On va commencer par vous. Puis je vais vous demander. Voilà. Que tout le monde puisse bien vous voir. On va commencer d'abord par vous expliquer ceci. Attendez un petit peu avant de verser. Que chacun prenne sa fiole, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, vous regardez ce contenant de verre qui est devant vous. Vous savez qu'il s'est fait à partir du sable, hein, du verre. Il a été façonné par le sable. Chaque coupe que vous avez, chaque fiole que vous avez devant vous représente votre propre couleur, votre personnalité unique. Cependant, quand ces sables seront mélangés, ça va créer une entité tout à fait nouvelle et extraordinaire, d'autant plus qu'elle deviendra complexe et inséparable. On ne peut pas, après avoir mélangé vos sables, les séparer et vous sortir du pot. Alors, maintenant, je vais demander d'abord à nos deux mariés de verser ensemble leurs sables. Dans le haut, non, la moitié. La moitié, allez-y. Pendant ce temps-là, on va écouter une musique. Mes mariés, j'aimerais que vous me répétiez ceci. Tu es mon amour pour l'éternité, inséparable, nous sommes. Voilà. Maintenant, on va commencer avec un des enfants à la fois. Avec une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Vas-y, tu verses ton contenu. Tout au complet. Voilà. Vas-y, Nicolas. Voilà. C'est très beau, on continue, ça va super bien, ça va faire quelque chose de beau, hein? Allez, mes beaux mariés, maintenant on va recouvrir vos enfants pour bien les protéger. Voilà. Et voilà. Est-ce que c'est beau? Beau complet. Voilà. Alors maintenant, tous les sept, je vous invite à répéter après moi ensemble. Nous formons une famille pour l'éternité. Inséparables, nous sommes. Voilà, on peut les applaudir. Vous allez vous asseoir maintenant. Et je vais inviter maintenant les témoins Nicolas et Yvon à venir pour la signature des registres. C'est Olivier? J'ai un problème. Que ce soit Nicolas parce que les documents sont rares. Je suis désolée. Il aurait fallu me dire. On va écouter une magnifique pièce du trio pendant ce temps. Marie, on va commencer avec toi. Mmh.
tard, les tirages, moitié-moitié. Invitez Roxane à venir lire un texte. Viens là, Roxane. Tu as ça dans les mains. Veux-tu un lutrin? Viens ici. Viens ici dans le milieu. Prends la vedette. Est-ce que tu es capable de tenir un micro? OK. Ça, j'ai un pied de micro aussi. C'est dans mon CV. Ensemble. Ensemble, ils se sont donné la main. Ils se sont donné le cœur. Ils se sont ouverts corps et âme, les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve, le rêve du bonheur. Une alliance brille à leurs doigts, symbole d'éternité, l'anneau d'or qui scelle le serment, un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux et toutes les félicitations. On s'est embrassés, on a souri. Mais elle n'a vu que lui et lui n'a vu qu'elle, sa femme, sa flamme, son mari, sa vie. Ils connaîtront ensemble mille joies, mille soucis et parfois quelques tempêtes. Mais au fond du cœur, ils ont une boussole infaillible. La boussole de l'amour qui, malgré les difficultés, les ramèneront toujours sur la bonne route, ensemble. Merci beaucoup. Alors, mes beaux tourtereaux, vous voici mariés devant la loi, les traditions devant vos parents et amis. Que la joie de votre couple inonde d'espoir vos familles, vos amis et vos enfants. Je vous souhaite de garder la recette du bonheur parce que vous l'avez trouvée. Attention, mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous présenter pour la première fois Marie-Marie Beau et Pierre Roy, le plus beau et le plus récent couple marié du Québec. On les applaudit! On les suit pour la photo qui va être prise à l'avant. Et j'en profite aussi pour remercier ce magnifique trio à cordes. Oui, bonne idée de les applaudir. Merci beaucoup. Thank you.